L'Ukraine invitée à mener rapidement des réformes sous peine de retarder son rapprochement avec l'Union européenne. C'est le message transmis par le commissaire européen à l'élargissement, Stefan Füle, en visite à Kiev. Il a notamment appelé le gouvernement à régler le problème de la justice sélective. Cela concerne les poursuites lancées contre les opposants politiques et notamment Yulia Tymoshenko. Réaction du ministre ukrainien des Affaires étrangères. La justice sélective fait référence à un système qui n'existe pas dans notre pays, dit-il. L'Union européenne parle de quelques cas bien connus sur lesquels nous sommes prêts à nous pencher. L'Union européenne et l'Ukraine doivent théoriquement signer un accord d'association en novembre prochain, une échéance que Stefan Füle a rappelée au président ukrainien Viktor Yanukovych ce matin, mais aussi aux députés qu'il a rencontrés hier. Le Parlement ukrainien est actuellement le théâtre d'un bras de fer entre partis au pouvoir et opposition. Les opposants accusent les députés pro-gouvernementaux de voter au nom de leurs collègues absents. Ils réclament donc l'obligation de présence pour pouvoir voter. Vêtus de t-shirts rouges, ils campent dans l'hémicycle depuis 4 jours pour obtenir gain de cause.